Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne deux codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwritten, Bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisées en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concert ou de match. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive, et n'hésitez pas à y aller. Mais avant d'attaquer, j'aimerais faire un petit récapitulatif comme je l'ai fait dans ma vidéo précédente. Des résultats lors de cette période internationale sur la zone Afrique, c'est pas mal du tout. Le 6 et le 7 octobre, j'ai fait un 5 sur 10 pour le 1N2. Bon, c'est moyen, certes, mais par contre, pour les codes sécurisés, j'ai fait un 9 sur 10, quasiment un perfect. Donc franchement, ça vaut le coup. Ensuite, le 8 octobre, je vous avais déjà fait un récapitulatif dans la vidéo d'avant. Donc j'ai fait un 5 sur 6 sur le 1N2 et j'ai fait un 4 sur 6 sur les codes sécurisés. Et enfin, pour le 9 octobre, j'ai fait un 4 sur 6 sur le 1N2 et j'ai fait un 4 sur 6 sur les codes sécurisés. Ce qui donne pour l'instant sur les 4 premiers jours de compétition, cela donne un 63% de réussite sur les 1N2 et un 77% de réussite sur les cotes sécurisées. Espérons que ça continue. Attaquons donc par le premier match, le Mozambique contre le Cameroun qui a donc lieu le 11 octobre. Le Mozambique n'est pas au mieux du tout. Ils avaient été éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations lors des qualifications en finissant dernier avec tout de même 4 défaites sur 6 matchs. Là, c'est malheureusement mal parti. Ils avaient attaqué par un 0-0 contre la Côte d'Ivoire, plein d'espoir, mais malheureusement depuis, c'est 2 défaites consécutives à l'extérieur au Malawi et au Cameroun. Ils vont bien entendu vouloir se ressaisir. Ils ont quand même un match référence avec donc ce 0-0 contre la Côte d'Ivoire lors de la première journée de ces qualifications. Mais deux problèmes sont à noter du côté du Mozambique. Ils marquent très peu de buts d'une part. Et surtout, ils étaient tombés dans la poule du Cameroun lors des qualifications pour la CAN et s'étaient inclinés à domicile 2-0. Mais on ne peut pas dire que le Cameroun est une équipe ultra offensive, voire même ultra solide à l'extérieur. On se rappellera de cette défaite marquante tout de même au Cap-Vert lors des qualifications pour la CAN, mais qui n'avait pas joué sur sa première place finale. Sur les 3 derniers déplacements, ils ont une victoire, c'était en match amical au Nigeria, ce qui n'est quand même pas mal, mais les 2 derniers matchs vraiment officiels qui comptent, ça a été donc la défaite au Cap-Vert et la défaite en Côte d'Ivoire. Donc quand il y a de l'enjeu, les Camerounais sont assez fébriles actuellement, j'ai bien dit actuellement. Mais je vais tout de même m'appuyer sur les certitudes que le Cameroun a contre le Mozambique. Donc je vois une victoire 1-0 courte, certes, mais une victoire tout de même du Cameroun. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec la Côte d'Ivoire contre le Malawi. La Côte d'Ivoire a bien entamé ses qualifications avec 2 victoires et 1 match nul. Leur seul point négatif est donc ce match nul au Mozambique. Mais depuis, ils se sont rattrapés avec leur victoire contre le Cameroun dans le match au sommet de cette poule et surtout une victoire 3-0 sans trembler au Malawi. On notera qu'ils s'étaient qualifiés pour la CAN, remportant leur duel contre l'Éthiopie, perdant à l'aller mais gagnant au retour. Et pour finir sur la Côte d'Ivoire, on observe qu'à domicile, ils sont ultra solides. Sur les 5 derniers matchs officiels, ils sont sur 5 victoires, même si à chaque fois, ils ont tendance à prendre un petit but. Ils rencontrent le Malawi qui a du mal contre les gros dans ce groupe. Ils ont perdu contre le Cameroun et la Côte d'Ivoire et se sont imposés par contre contre le Mozambique. Mais ça va être compliqué
de se qualifier car les deux ogres du groupe ont décidé d'être dans les deux premières places. Dommage car ils avaient quand même réussi à se qualifier pour la CAN, finissant deuxième de leur groupe. Ils pouvaient avoir des ambitions, mais malheureusement, je vois sur ce match-là la Côte d'Ivoire s'imposer 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer. Finissons ce 11 octobre avec la Libye qui reçoit l'Égypte. Les Libyens ont créé un petit peu la surprise avec deux victoires d'entrée de jeu contre le Gabon et en Angola. Et malheureusement, sans démériter, ils se sont inclinés 1-0 en Égypte. Mais on ne sait jamais, sur un match, ils peuvent très bien réaliser l'exploit contre les Égyptiens. Ils avaient malheureusement été éliminés de la course pour la CAN avec une seule victoire et 5 défaites. C'est pour cette raison que c'est encore plus étonnant de les voir gagner les deux premiers matchs de cette poule. Ils rencontrent donc l'Égypte qui a quand même du mal dans cette poule. Certes, ils ont 2 victoires et 1 nul, mais à chaque fois, c'est quand même des victoires courtes. Ils ont gagné 1-0 seulement contre l'Angola, donc 1-0 contre la Libye. Et ils se sont fait accrocher au Gabon. Ils ont donc une petite marge de progression, mais on notera qu'ils ont tendance à faire beaucoup de matchs nuls dans leur poule de qualification pour la CAN. Ils avaient quand même fait 3 matchs nuls sur les 6 rencontres disputées. Mais est-ce que les Libyens vont avoir les reins solides contre une équipe de ce niveau? Moi, je vois une victoire 1-0 de l'Égypte et je vois bien le moins de 2,5 buts sur le match. Passons au 12 octobre avec la première rencontre de Zimbabwe contre le Ghana. Les Zimbabwéens sont dans une position assez moyenne en ce début de qualification, 2 défaites à l'extérieur et 1 match nul. C'était tout de même à domicile contre l'Afrique du Sud. Ils peuvent se montrer solides sans encaisser de but contre une grosse nation africaine. Ils avaient malheureusement pour eux montré lors des qualifications pour la CAN qu'à domicile ce n'était pas leur fort. Ils avaient essentiellement réussi à se qualifier grâce à leur victoire à l'extérieur. Ils rencontrent le Ghana qui a commencé les qualifications avec 2 victoires mais toutes à domicile et une défaite en Afrique du Sud. C'est une équipe également qui a des problèmes à l'extérieur sur les 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Ils ont tout de même 4 défaites et 1 match nul. C'est donc sans certitude qu'ils vont se déplacer au Zimbabwe. Mais avec juste l'avantage psychologique de les avoir battus hier lors d'une victoire 3-1. Je vois donc sur ce match un match nul, un but partout. Je vois le Zimbabwe s'appuyer sur le 0-0 contre l'Afrique du Sud. Je vois donc le Ghana assurer le coup avec le partage de points. Et je vois également le away no bet avec le match nul remporté, 6 victoires du Ghana à l'extérieur. Poursuivons avec la Namibie qui rencontre le Sénégal. Les Namibiens ne sont pas ridicules en ce début de qualification. Ils ont déjà récupéré 4 points et sont en bonne position pour obtenir la seconde place du groupe. Ils ont réussi à s'imposer au Togo, ont fait match nul à domicile contre le Congo-Brazzaville, mais par contre ont pris une grosse défaite au Sénégal. Mais ça me paraît tout à fait logique car le Sénégal est largement au-dessus de tout le monde. Ils ont pour l'instant 3 matchs, 3 victoires. Après avoir facilement réussi à se qualifier pour la CAN, prenant que 2 buts lors de la phase de groupe, ils sont actuellement assez faciles. Rien ne peut les arrêter. Et sur ce match, je les vois donc s'imposer en Namibie 1-0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer. Poursuivons avec le Niger contre l'Algérie. Le Niger vient d'être corrigé en Algérie 6-1. Il va falloir qu'ils se remettent rapidement de cette claque reçue. Ils avaient pourtant réussi à s'imposer à Djibouti. Mais les Djiboutiens sont sans doute l'équipe la plus faible du groupe. Donc le Niger devrait finir 3e sur 4. Car il s'était tout de même incliné lors de la première rencontre à domicile contre le Burkina Faso. Il faudra sans doute un miracle pour pouvoir résister à l'armada algérienne qui, de son côté, n'a pas réalisé un début parfait dans ses qualifications. Certes, ils ont battu 8-0 Djibouti lors de la première rencontre. Ils se sont ensuite imposés donc 6-1 contre le Niger, mais avaient fait match nul au Burkina Faso. Donc, il subsiste un doute pour la première place, même si ça devrait être rapidement réglé. On notera tout de même que sur les 5 derniers matchs officiels de l'Algérie à l'extérieur, toutes compétitions confondues, il y a 4 matchs nuls et une seule petite victoire, c'était en Tunisie en match amical. Mais je vois tout de même sur ce match-là une victoire de l'Algérie, 3-0, et je vois le plus de 2,5 buts pour les Algériens sur le match. Poursuivons avec l'Afrique du Sud contre l'Éthiopie. Les Sud-Africains font bien entendu partie des deux favoris avec le Ghana et pour l'instant, ils sont à la hauteur de leurs ambitions. Certes, le match nul 0-0 au Zimbabwe d'entrée de jeu a marqué certaines limites, mais depuis se sont rattrapés, battant le Ghana à domicile et s'imposant en Éthiopie. Je pense d'ailleurs que cette dernière victoire est ultra importante car il n'est jamais évident de s'imposer en Éthiopie. De s'imposer une deuxième fois consécutivement contre eux acterait sans doute leur qualification. Surtout qu'ils sont très solides à domicile, ne prenant quasiment jamais de but.
Je vois une victoire 1 but à 0 donc de l'Afrique du Sud et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec le Congo-Brazzaville contre le Togo. Les Congolais sont pour l'instant en ballottage défavorable avec deux matchs nuls acquis à chaque fois à l'extérieur, ce qui n'est quand même pas si mal, mais malheureusement se sont inclinés à domicile contre le Sénégal, le favori de la poule. Dommage car ils avaient réussi à les accrocher lors des qualifications pour la CAN. Mais rien n'est perdu, une victoire contre le Togo peut totalement les relancer, surtout qu'ils recevront les Namibiens lors de la prochaine fenêtre internationale. Ils rencontrent les Togolais qui ne sont pas au mieux, qui sont derniers de la poule, qui ont déjà perdu deux fois, c'était contre le Sénégal et la Namibie à domicile. Ils ont néanmoins réussi à arracher un point contre le Congo-Brazzaville, ce qui leur laisse encore une chance infime de pouvoir se relancer. On a semblé voir une embellie au niveau des résultats pour le Togo fin mars et début juin avec un match nul aux Comores et une victoire en Guinée en match amical, mais ils sont vite retombés dans leur travers habituel et recommençant à perdre à l'extérieur. Sur ce match-là, je verrai quand même une victoire du Congo-Brazzaville 1 but à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Finissons avec la Guinée contre le Maroc. Finissons avec un très beau match, la Guinée contre le Maroc. Les Guinéens ont commencé par 3 matchs nuls lors de ces 3 premiers matchs. On va dire un départ assez neutre. Là, ils jouent le plus gros adversaire de leur groupe. Ils avaient réussi assez facilement à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, perdant juste le dernier match contre la Namibie, mais il n'y avait plus trop d'enjeux. C'est tout de même une équipe qui perd très rarement, qui avait réussi lors de la trêve de juin pour la préparation de l'Euro. Certaines équipes européennes les avaient rencontrées. Ils avaient réussi à accrocher la Turquie en faisant 0-0 chez eux et avaient également réussi à s'imposer au Kosovo. Et je pense que pour eux, les 3 matchs nuls lors du début de ces qualifications doivent être sans doute une déception. Ils vont vouloir se rattraper contre le Maroc. Mais le problème est que le Maroc est une équipe ultra solide qui, sur ses 5 derniers matchs, reste sur 5 victoires et à chaque fois sans prendre de but. Ils s'imposent à chaque fois assez facilement, au moins sur les 3 derniers matchs. Leur dernier accro remonte à un match nul lors de la dernière journée des qualifications pour la CAN. C'était en Mauritanie, ils avaient fait 0-0. Mais toujours sans prendre de but. Donc sur ce match, je vois un accro du Maroc avec un 0-0 et la Guinée réussir son 4e match nul dans ses qualifications. Et je vois donc une double chance 1N avec sans doute une cote très élevée. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en description. Il vous reste encore 2 matchs que je vais analyser pour vous. Je vous donnerai donc un score exact et une cote sécurisée. Également, n'hésitez pas à aller sur le site d'actualité sportive Passion Sportive et également abonnez-vous. Tchou les bambins !